matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je filme avec mon téléphone parce que ça ne me tentait pas d'enlever mon appareil photo à l'épicerie. Dans l'auto, il commence à faire froid, fait que si je l'oublie, je suis dans la merde. J'ai failli l'oublier l'autre fois, puis j'étais bien contente de m'en avoir souvenu. Là, il est rendu 8h30, on s'en va déjà faire l'épicerie. Parce que hier, on a été faire un gros Costco, dans le fond, le dernier vlog que vous avez vu. C'est hier, puis je me suis rendu compte qu'on avait, en tout cas, d'habitude on s'en va au Costco à Saint-Bruno, mais là, ça a juste à donner qu'on aille à celui de La Prairie, puis je l'aime tellement pas lui de La Prairie, je le déteste, il y a beaucoup trop de monde, genre, à chaque fois qu'on y va, il y a beaucoup trop de monde. C'est fait genre le contraire de Saint-Bruno, fait que c'est vraiment plus mélangeant pour nous qui est habitués à Saint-Bruno. Fait qu'on a oublié plein de choses. Genre, du lait 3,25 pour moi lundi pour mes coupons. Du lait 1% pour mes cafés lundi. Du pain. Y avait-il autre chose? Il me semble qu'il y avait une autre chose. J'aime ça aussi m'acheter des Crispers puis des Crispy Mini. Je suis vraiment type collation. Puis genre, je trouve que ça me satisfait bien ma petite dent sucrée le soir aussi. Fait que c'est ça, fait qu'on va faire une petite épicerie, puis j'ai trouvé une trouvaille sur Marketplace, parce qu'en fin de semaine, on avait été au pommes avec nos amis, puis après ça, on avait été faire un souper fondu chez eux. Puis les gars, ils ont été jouer dans la chambre de leur petite fille, là, Rose, puis elle avait comme une genre de tortue lumineuse, puis Angie s'y capotait là-dessus, puis j'étais comme, c'est vrai que comme dans leur chambre, ils ont rien de genre full... jeu ou genre sensoriel ou whatever, tu sais, je sais que c'est comme l'heure du dodo, mais je trouve ça poche pour Mason qui a son iPad. Puis Hendrix, il a genre des livres, tu sais, il peut l'écouter avec lui, mais souvent Mason, des fois, il se tasse ou tu sais. Fait que ça lui donne pas, tu sais, ça lui tente pas tout le temps d'être genre super gentil avec son frère. Fait que je me suis dit que ça serait le fun aussi, autre que l'iPad, d'avoir comme des pas des jeux, mais genre, tu sais, des toutous lumineux, des toutous musicales. Fait qu'en tout cas, j'en ai trouvé un sur Marketplace. Ils se vendaient au Toys R Us à 70$, que j'ai vu de quoi de même. Puis sur Amazon, 90$. Moi, c'est sûr que je m'en allais le commander sur Amazon en plus. Parce que j'aime bien ça, Amazon, là, ça me fait pas sortir pis tout. Mais là, j'avais à sortir, puis je l'ai trouvé sur Marketplace à 20$, puis je l'ai doublé à 15$. En plus, ça a dit genre non négociable. Mais elle avait baissé son prix de 25 à 20. Fait que là, je me suis dit peut-être que ça fait longtemps que son annonce est là. Fait que je vais guesser pour comme 15. Je sais, c'est juste 5$, mais tu sais, 5$ ici, 5$ par là, 5$ par-ci, par là. 6! Ça monte vite. Fait que là, je me suis dit, c'est ça. Je vais lui demander, tu sais, pour demain, parce que demain, je sors, puis ça serait la journée parfaite. Puis, ben c'est ça, elle a accepté. Fait que je vais aller chercher justement. C'est quand même loin, là, de chez nous, c'est à la prairie quand même. Ben, c'est pas fucking loin, mais selon mon GPS, ça me disait genre 30 minutes. Fait que bref, on va aller faire ça, puis je vous parle plus tard. Bon, de retour dans l'auto, les gars ils dorment, fait que ça va leur faire une petite sieste. J'espère qu'ils vont se coucher cet après-midi, parce qu'il est quand même rendu proche de 11h. En tout cas, on va voir. Je pense que je vais aller nous chercher du petit McDo pour dîner. I don't know, parce que là, on va arriver à la maison à comme 11h30. C'est pas si tard, mais en même temps, je me dis, pour nous, c'est la fin de semaine. Fait que c'est ça, là, j'ai été à l'épicerie. De un, c'était l'enfer avec Mason. Genre, c'est pas comme au Costco, hein, genre le Walmart, là, il y a genre une place assise. Fait que soit je le mets dans le panier puis qu'il se lève debout puis qu'il s'en va pour se péter la gueule, soit il marche à côté de moi, mais tu sais, il marchait, il touchait à tout pis tout. Mais c'était moins pire que je pensais, mais quand même, genre, j'étais comme, ça va pas, là. On va commencer à s'en aller, surtout qu'il, tu sais, commençait à avoir full de monde, là, un dimanche. Une chance que je suis allée quand même vraiment tôt le matin. Mais c'est ça. Fait que j'ai quand même acheté beaucoup d'affaires. Hier, on a été faire un Costco, puis ça nous a coûté 250. Puis là, aujourd'hui, ça nous a coûté 160. C'est débile. Chaque semaine, ça nous coûte ça. Chaque semaine. C'est fou, là. Tu sais, oui, j'ai un service d'ailleurs, mais on s'est entendu que c'est jamais des gros repas fancy, là. Genre,
comme des affaires, ben pas fancy, mais des affaires un petit peu plus coûteuses, genre du saumon, des trucs comme ça, mais comme normalement c'est genre des pâtes, des petits touskis, genre de viande froide, des restants de nos soupers. Fait que je suis comme ça coûte vraiment cher, puis malgré que j'essaye de faire attention sans trop là non plus, parce que genre faut pas virer fou non plus là, t'sais, comme là c'est sûr que j'ai acheté une couple d'affaires, t'sais, comme ben essentiel et non essentiel là, dans le sens que Mason s'est acheté un habit genre de Spider-Man, c'était-tu full essentiel? Non, mais je m'en allais faire une commande H&M pour du linge plus chaud, puis c'est du linge plus chaud, fait que ça y fait un kit de plus. Je m'en allais y acheter d'autres bobettes, puis j'ai acheté juste comme Walmart tant qu'à faire. Fait que c'est ça, mais bref, je vais vous montrer ça rendu à la maison. Mais c'est ça, c'était quand même quelque chose aujourd'hui, faire l'épicerie avec les deux gars. J'ai été aussi porter au Poste Canada mes factures pour mes impôts à la fin de l'année. Fait que ça a été fait. Dans le fond, c'est mes... C'est-tu trimestriel? C'est-tu 3 fois par année? Ouais, si je me trompe pas. 3 plus 3. Non, moi c'est 4 fois par année. 6. Ouais, moi c'est 4 fois par année que je donne mes factures. Fait que... c'est ça, j'ai été les porter parce que là, je suis comme vraiment serrée dans mon temps. Fallait que j'y remette, je pense. Si je me trompe pas, c'est la première fois que je les remets là. Fait que je savais pas si c'était début septembre ou fin septembre. Mais bref, j'ai shippé ça. Sinon, j'ai comme un extra là, à payer à ma comptable. Mais c'est pas la fin du monde. Sinon, parce que c'est quand même des bonnes factures là, ces factures-là, vu que c'était toutes des factures de avant que j'ouvre la garderie. Fait que quand même des gros paiements. C'est là que ça m'avait comme coûté pas mal, comme 900$ comme pour m'équiper. Là. Fait que c'est ça, ça va être. Je vais payer l'extra là au pire. Fait que bref, c'est ça. Puis je suis allée acheter aussi le petit toutou, je vais vous le montrer après là, parce que c'est comme pas trop évident dans le char. Mais je trouve ça super le fun là, pour les gars, genre de voir ben, premièrement s'il va bien marcher. Il a l'air vraiment, vraiment très propre, là, legit comme neuf. Il y a peut-être 2 égratignures, mais genre très minimes. Pour 15$, là, c'est fou. Je suis vraiment contente. Puis là, si je suis comme dans un mood de vouloir peut-être plus organiser les jeux, justement, acheter des jeux un peu plus sensoriels aussi pour Hendrix. Fait que c'est ça, à voir, mais tu sais, là, faudrait que je m'achète genre un étageur, là, mais c'est tellement cher, là, c'est fou. J'avais checké au Ikea l'autre fois, là. Peut-être faudrait que. J'avais checké plus les étageurs, j'avoue, comme style, genre pour accrocher ton linge, pis tout, là, tu sais, dans les chambres. Je pourrais peut-être checker s'il y en a d'autres, comme plus pour comme des trucs comme casse-tête, des livres, vraiment des bacs à jouer, vraiment plus pour organiser ce genre-là. Peut-être que ça serait moins cher. Parce que c'est ça, je trouve que tout traîne, c'est le bordel à chaque jour là, du service de garde, là, c'est fou là. Au moins j'ai quand même des enfants quand même coopératifs là, fait que genre, tu sais, ils m'aident quand même à faire le clean-up, mais je trouve tellement que c'est pas optimal comment que je suis en bas, c'est tout le temps le bordel justement à cause de ça. J'aimerais ça me trouver des petits trucs qui font en sorte que la maison soit moins sale, ou ben pas sale, mais soit moins comme en bordel rapidement. Fait qu'en tout cas, ça va être plus tard, là, mais c'est quand même dans mon objectif. Là. Fait que c'est ça. Fait que je vous parle tantôt. Bon, old épicerie time. Je vous fais ça rapide parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là, malgré tout. Fait que j'ai pris un ananas que, by the way, j'ai un autre item avec les ananas que j'ai juste tellement hâte de goûter. Je pense que je vais faire un petit review avec vous. Attends, peux-tu montrer aux amis? Quoi? Peux-tu montrer aux amis? Non. Non? Tu veux pas? Non. Ok. Maman, puis l'attacher, maman. Il s'attache pas, bébé? Oui. Il s'attache pas? Il tire pas? Ah. Bon, j'ai acheté un petit habit Spider-Man dans Mason, mais il veut pas que je le montre, fait que. C'est ça.
des petites biscottes comme ça parce que le dîner, je me fais souvent du thon avec genre de la mayo épicée, de la sriracha, des oignons. Fait que je mets ça là-dessus. Vraiment simple et rapide. Le truc avec l'ananas, c'est du tagine. Du tagine, en tout cas. Ça ici, là, il y en avait sur presque toutes les drinks que je prenais au Mexique et je capotais là-dessus. C'est tellement bon, là, genre, je reprenais un drink juste pour prendre ça, là, en fait. Fait qu'à ce qui paraît, je me souviens que le monde, il mettait ça sur des ananas. Fait que je me suis dit, je vais essayer. Parce que c'est sûr que j'ai aimé ça. J'en ai pris 4, vinaigre, sel et vinaigre, puis l'autre c'était genre assaisonné. Des bananes, des petites citrouilles comme ça ici que je vais mettre un petit peu partout sur mon centre de table ou sur mon îlot. Du pain, des céréales, j'ai pris 2 fois des Froot Loops puis 1 fois des Frost and Flake. Mais ça fait ça des céréales de hockey parce que... Il y avait un mané dessus, c'était le hockey, bref. Mais j'ai choisi ça comme collation parce que là, il est parti sur un trip de Tortue Ninja. Il aime bien ça. Mais je me suis pris ça parce que là, il commence à faire un petit peu plus froid. Puis des fois, pendant les dîners que les enfants faisaient leur sieste, j'ai quand même, il me semble que je prendrais une boisson chaude, mais pas nécessairement un café. Je prendrais un chocolat chaud. Fait que je me suis pris une vanille française comme ça. J'aimais full ça. Avant, genre, là, quelques années, je prenais tout le temps ça au Tim. Il me restait plus de caramel. Ça, je mets ça dans mon lait pour mon café, pour comme sucrer à la place du sucre. Avec mes petites biscottes, je me suis dit que ça serait bon du Philadelphia comme ça. Puis je suis bien sur un trip d'ail ces temps-ci. Un oignon, toujours pratique. Des petites collations comme ça. Pas full santé, mais regarde, c'est mes 5 qu'ils ont choisi. Puis des fois, après avoir donné des fruits, ben j'ai plus d'idées tant de collation. Puis l'après-midi, je trouve ça, c'est parfait, là, genre ça salit pas, genre t'as pas plein de jus de fruits sur les enfants. Fait que je trouve ça parfait, là, juste avant que les parents, justement, y arrivent. Parfait. J'avais plus de savon en bord, fait que je prenais comme le savon à dents que j'haïs. Genre, moi, j'haïs ça, là, je peux essayer de lotion, ben pas, c'était pas de lotion, mais c'est du savon en liquide, j'ai ça. Je suis une fille de savon en bord. Et on va manger avant, ok? Ah. Du lait 1% pour nous. Des petits culottes pour moi justement que j'ai acheté, que c'est pas les mêmes que la dernière fois, quand je trouvais ça le fun. Du lait 3,25, pouvez-vous croire que ça, ça me dure une semaine avec le service de garde, c'est fou. Pour dire que j'ai quand même 2 poupons, là, mais pareil, c'est fou. Du vinaigre parce que je lave tout avec ça. Puis c'est tout. Ça sent pas mal à ça. Bon, j'ai couché les enfants. Je vais maintenant aller dehors en avant pour aller enlever de la mauvaise herbe. Je vais vous montrer vite, mais je risque de pas vous parler puis filmer dehors parce que mes voisins sont toujours dehors. Que je vais vous montrer le avant puis le après, sérieux. Juste de ma fenêtre ici, je les vois. Ils sont énormes. Bon, de retour dans mon auto. Dani vient d'arriver, donc je vais en profiter pour aller faire un petit tour au Home Depot pour aller acheter du paillis parce que même si j'ai tout enlevé les mauvaises herbes, il en reste quand même plein. Parce qu'on n'avait plus de paillis, fait que ça poussait pas mal. Puis, je vais en profiter, vu que j'ai pas les gars, pour... j'avais le goût d'acheter des trucs de fleurs, genre, pour mettre en avant. Petit tour au Winners, vite. Sans dire à table, pour aller acheter une couronne automne, si jamais j'en trouve. Je voulais faire tout ça samedi, faire garder les gars, faire ça, mais je suis capable de le faire maintenant. Je vais le faire. Puis, un petit tapis, là, genre, automne, genre... Ça va être sûrement de quoi je parle. Fait que je m'en vais faire un tour, puis je vous parle après. Bon, fait que finalement, j'ai fait 2 trouvailles. J'ai trouvé une belle couronne quand même. Je dis quand même parce que c'est pas genre un full gros coup de cœur, mais je la trouve belle quand même. Puis un petit genre de tapis paillasson. puis c'est ça. Puis
c'est ça, mais j'ai quand même été déçue là parce que j'avais été. Je voulais, tu sais, comme des fleurs et tout, puis les fleurs étaient toutes pas belles. Il y en avait même plus au Home Depot. Je suis allée au Rona, il y en avait, mais il était vraiment pas belle. J'étais allée au Winners pour aller trouver mon paillasson, mais il y en avait comme aucun de vous. Il y en avait genre trois, mais moi j'ai un Winners vraiment petit, là, fait que. Il n'y a pas grand chose là. J'ai rien trouvé au Winners. Je suis sortie les mains vides. Puis le pire, c'est que je m'attendais à trouver genre full déco de Halloween puis de pas être capable de me gérer. Mais finalement, il y avait rien pantoute. Fait que j'ai décidé d'aller faire un petit tour au Rona au cas où parce qu'au Home Depot, c'est ça. Il y avait rien. J'ai juste acheté le paillis. Puis. C'est ça. Là, je suis en train de penser à ça, mais vu qu'on fait garder les gars samedi chez ma soeur, si jamais elle veut toujours, là, puis que c'est toujours correct avec elle, parce que dans le fond, moi, puis dans, on a quand même une bonne to-do list de choses à faire sur le terrain. Puis même si on a la clôture, des fois, là, les trucs à faire comme en avant, comme le lavage de l'auto, surtout qu'on a à faire, le ménage du garage. Comme pas vraiment possible. Sinon, il faut que ça soit comme une personne qui le fasse, mais c'est tellement long. Fait qu'on aime mieux se donner une journée qu'on fait comme toute notre liste le plus possible. Fait que c'est ça, là, j'arrive. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que ça ressemble à ça. Le tapis, j'ai pris comme le plus gros qu'il y avait. Je trouvais que ça allait faire beau vu que j'ai quand même long. Ah, il y a des abeilles, c'est fou. Puis j'ai quand même long d'entrée. Puis j'ai trouvé cette petite couronne que je trouvais bien belle. Puis le paillis noir. Il est rendu 6h30 et les gars sont ultra excités. Si j'aurais pu les coucher à 6h aujourd'hui aussi, je l'aurais fait. Mais j'ai pas pu parce que j'ai lavé leur drap de l'IKEA comme ça. C'était sale. Mm-hmm. Des traces de pieds. Des traces de pattes de chien. Tiens, je vais contrôler. Du pipi à mince parce que des fois, ben tu sais comme avant hier, on avait oublié de mettre une couche parce qu'on était parti chez des amis puis d'habitude on était sûr qu'il y avait une couche, mais non. Fait que il y a un petit débordement, là, même des fois comme quand c'est une pas là pis qui fait genre deux pipi exemple, ben ça déborde un peu, fait que en tout cas, bref. C'était vraiment pas chic le lit. Il y a encore quelques petites taches que moi je vois là. Mais j'avais pas mis de drizzle, rien, là. J'ai juste mis ça rapidos dans la laveuse, eau froide, le détergent bébé des gars, puis de l'eau de Javel. Puis c'est bon, mais là, c'est ça, c'est parce qu'on n'a pas de draps aussi. Hein. J'en avais acheté un autre. Je les trouve plus. Aucunement. Je ne trouve plus les draps. Pas bravo. Mais j'en ai trouvé au H&M pendant que je faisais la commande du linge des gars d'automne-hiver. Mais j'attends juste qu'il y ait un rabais à chier. Attends, on a beau refaire quelque chose. La tortue. Ah oui, on va montrer la tortue. Ok, viens. Viens montrer la tortue. Non. Tu veux maman montre? Non, c'est moi, je vais te montrer, c'est un cadeau. Ah oui, c'est un cadeau. Ok, go. Attends, recule. Wow! Mais on peut pas sortir. On ferme-tu la lumière? Ouais. Ok. On va la lumière pour montrer. Ouais. Oh, on voit-tu? Ah, ici on voit pas, c'est plate. On voit un petit peu. Mais là, la lumière de ma chambre est ouverte. Hé, hey, maman, ça. Ouais, ferme la lumière de ma chambre. Ferme la porte de ma chambre. Wow, ça on fait quoi? Ah, mais je trouve ça le fun. On voit-tu? Oh, regardez, on voit. Wow. Mais à la caméra, on voit moins bien en plus qu'en vrai. Oh, wow.
Je trouve ça vraiment le fun pour Hendrix. Quoi? Je trouve que c'est le fun pour Hendrix. Attends, attends, je vais te montrer tout ça. Vas-y. On montre la tortue. Oui, je l'ai déjà montré. Fait que, bref, c'est ça. Je vais finir pour aller. Je vais coucher, les gars. Puis après ça, je vais faire mon souper parce que j'ai pas soupé encore. J'ai tout fait le ménage. J'ai fait plein d'affaires. Mais là, je veux me dépêcher à coucher les gars parce que là, ça marche pas. Puis anyway, c'est l'horreur, 6h30 d'habitude.